Bonsoir la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV. Oui, la chaîne du Japap du Béret, nous les soi-disant blogueurs, oui. On est là, toujours présent, on répond présent, oui. Aïe, la famille, l'affaire c'est, il y aura une fin un jour. L'affaire Arsène Meriel et Kimi Laguerre, ça aura une fin un jour. Arsène Meriel a unfollow Kimi sur TikTok. Ouais. Il a unfollow sur TikTok. C'est ça qui demande que cette affaire-ci aura de fin un jour. Mais chaque fois, c'est comme si on avance un pas vers la réconciliation. On recule trois pas. Vous comprenez? Bon, cette fois-ci, vous n'avez pas suivi ça de ma bouche. Je vais vous mettre une personne qui va vous dire, qui va vous raconter comment ça se passe. Ok, je mets la vidéo. On se voit après pour que je vous donne mes impressions. Oui. Bisous. She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. To the day she got me called. Dia, affaire de la famille Makosso et puis Axel Meril. Dia, c'est vrai. Moi-même, je croyais que c'était le buzzo. Eh, Seigneur. Vous avez vu une des vidéos, je vous avais montré pour vous dire que Kimi a unfollow Axel et Kimi a carrément supprimé toutes les vidéos avec Axel. Mama, oh. Axel suivait toujours Kimi. Du coup, voilà pourquoi j'avais un peu de doute. Mais, ouais, mon frère, il a carrément unfollow Kimi. Attendez, je vous mets. Oui! C'est arrivé là-bas là. Ha. Moi quand je vous disais là, ne faites jamais entrer Lolo Beauté dans la série. Vous avez dit oh oh, Raina tu es jalouse, Raina oh tu parles trop, Raina tu es ceci, tu es cela. Alors que je vous disais la vérité, c'est elle qui est venue gâter le coin. Parce qu'une personne qui est là, là, ta nièce a créé quelque chose. Tu ne parles jamais de ça. Jusqu'à ce que moi, Raina, je fasse une vidéo pour dire. Toi là, tu yamo pas ta nièce parce qu'en fait, on t'a jamais vu avec même les palettes de ta nièce. C'est là où elle a commencé à montrer les palettes. Dans la version sérieuse comme ça. Vous avez suivi, non? Aïe. Mais ça, moi, je pouvais vous raconter ça. Je préfère mettre la vidéo de Raina pour que vous puissiez voir. Parce que après, on m'a dit là que je m'acharne sur les gens. Bon, vous savez que. Kimi avait unfollow Axel déjà depuis. Oui, c'est depuis. Depuis le début de ce problème, ça n'a même pas duré. Elle a unfollow et supprimé les photos. Là où elles apparaissent, les deux. Oui. Et supprimé. Donc, Axel, lui, n'avait pas unfollow. Mais il avait quand même supprimé quelques photos aussi, oui. Mais il continuait toujours à suivre Kimi du TikTok. Bon, il paraît que maintenant, il a vu que bon, ça ne peut plus s'arranger. Peut-être il laissait, il avait encore espoir que non. Peut-être quelque chose, il pouvait encore voir, il pouvait encore se voir et parler et les choses changent. Bon, il a vu, bon, peut-être il a jugé que non. Au stade où il y a les choses là. Ça ne peut plus parce que il y a déjà des choses là que bon, il y a trop les petites choses derrière la famille, oui, oui, et beaucoup de choses qui sont encore en train de se passer depuis la sortie du clip. Si beaucoup de les agissements des gens qui font entendre que il y a trop les petits trucs, les petites jalousies, les petits trucs qui se passent, il y a les petits combats là que nous on n'est pas au courant, oui, oui. Moi, on m'a fait part de certains petits combats que j'ai eu là. Bon, maintenant, c'est pas encore sur la toile. Nous, on attend que ça soit sur la toile. Après, nous, on va venir commenter. Vous comprenez, non? Nous, on ne peut pas suivre les trucs comme ça là. Quand c'est pas encore sur la toile, on vient mettre. Non, on attend. C'est eux-mêmes qui amènent ça sur la toile. Après, nous, on vient donner notre avis. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas creuser dans la vie des gens pour sortir ça. Même si on connaît ça, on ne vient pas dire. On attend que ce soit sur la toile. Oui. Ok, vous avez compris aussi ce qu'elle a dit sur la tente là.
Il faut qu'elle revienne encore dessus. Il ne revient plus dessus, elle ne parle plus de ça. Elle vous a déjà dit. Parce que quand elle avait parlé, on m'a dit que je. Oh, oh, pourquoi je déteste telle loyauté. Oh, pourquoi je. Ce n'est plus moi qui ai dit. Hein? Ok, la famille. C'était juste ça. Nous, on voulait seulement la paix. Hein? Les deux, parce que la paix est bien. La paix est bien, la famille. Mais on voit que, à la lieu où les choses vont. Hein? Ah, il faut que la paix, là, revienne. Ça sera. Hein? Il faut seulement que c'est Dieu lui-même qui prend ses deux enfants, là, il les met au sol pour les parler. Donc, nous on est là, on observe maintenant seulement, on observe. Ok la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.